Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve sur ON1 Photoro 2020 pour la suite encore de la formation. Donc on va encore voir la suite des effets. Donc euh, comme ici on ajoute un filtre. Nous avions vu donc hier le, ces filtres qui sont juste ici. Et nous allons commencer à traiter de, des autres filtres à partir du filtre courbe. Je vous ai rappelé bien entendu que le filtre d'affûtage, nous allons le traiter. Euh, pratiquement à la fin, hein. une fois que nous avons traité tous ces filtres là pour la simple et bonne raison que c'est un filtre que je désire utiliser à la fin de, du traitement d'image voilà, alors on va commencer par le filtre courbe filtre effet courbe alors comme vous le savez ici le filtre d'effet courbe pour ceux qui sont un petit peu, qui me suivent souvent sur la chaîne qui m'ont vu un petit peu traiter de la courbe sur Luminar 4 parce que j'avais aussi traité à ce niveau là ou autre logiciel lightroom photoshop ou exposure ou même aussi euh, comment dirais je topaz studio 2 on retrouve les mêmes fondamentaux c'est à dire que là euh, vous avez ici euh, votre courbe qui est ici vous avez votre luminosité entière et après vous avez une séparation qui est le rouge le vert et le bleu voilà alors si vous allez monter votre courbe à fond comme ceci vous le savez très bien Là ce qui est bien c'est que vous avez directement la valeur qui est indiquée, vous avez la luminosité qui est à fond à 255. A à savoir que dans la luminosité, vous avez toujours la valeur entre 0 et 255, ce qui vous fait 256 valeurs de luminance. Ça faut toujours savoir. Si vous baissez à contrario à fond votre courbe, vous voyez que ici, là, vous avez 0 en luminosité, forcément, et là, bon, 255 il dans... faut, faut comprendre la, la chose, la valeur 255, ici, c'est un petit peu, euh, c'est une, une valeur inversée, si vous partez à partir de là, au niveau de la courbe, ça, faut savoir, si on inverse ici, vous allez le voir ici, hop, c'est la même chose, boum, vous avez en dehors, bon, 255, On prenez la valeur de valeur ascendante, hein, d'accord Mais de toute façon, ça ne change rien, Valeur maximum maximale 255 et valeur minimale 0. Voilà, ça c'est tout, c'est tout, tout à fait normal. Hein. Si vous inversez cette courbe, vous l'avez remarqué bien entendu qu'on va avoir une sélection ici inversée. Et là, euh, bon, ça va vous rappeler un petit peu les, les, le système de masque de luminosité. Si vous faites une saturation là-dessus, par exemple, vous allez obtenir quoi Vous allez obtenir un masque de luminosité. Hein. Voilà. C'est une base de masque de luminosité ça. C'est un petit peu le système que j'ai utilisé pour faire les masques de luminosité dans Luminar 4 qui n'était pas présent dans ce logiciel. Là, dans ON1, One, c'est tout à fait le contraire. Vous avez une, comment dirais-je, la magie de, de ce logiciel-là, c'est que vous avez des systèmes de masques de luminosité vraiment très très évolués. Je vous invite à aller voir justement le, la partie des, sur les masques de luminosité de ON1. On peut faire des trucs vraiment très très fous. Je, je suis vraiment très fan de ce logiciel là. Bon, là en faisant la formation, ça me ça me motive encore plus de, de continuer. Bien entendu, je sais que vous êtes tous impatients de voir la suite de, de la formation. Je la continue comme ça au fur et à mesure et chaque jour je vous mets un épisode. Comme ça, ça permettra d'avancer, hein, bien sûr. Et après, on mettra sans doute en place des petits workflows. Parce que, bon, ce logiciel-là, faut savoir aussi, vous pouvez faire aussi également du HDR, vous pouvez faire du collage de, de photos, faire du panorama, pff, pas mal de choses, du focus stacking, toutes ces choses-là. C'est vraiment euh, un truc qui est vraiment formidable. Bon, on a la possibilité d'utiliser des masques, d'utiliser des couches en F, en plus, en, là je dis en F, mais bon, en fichier RAW. Beaucoup de possibilités. Bon, ici, on va revenir un petit peu sur notre filtre courbe. Je vous l'ai là, je reprends le canal principal. Si vous allez prendre par exemple un point ici, vous êtes ici à 250 euh, 50 sur le point 50. Si vous, si vous allez le monter ici, vous allez monter donc ce point d'entrée qui était ici en valeur 71, vous voyez. Donc vous allez monter les ombres par exemple à cette valeur-là, en 73, ici dans notre cas. Mais ce qui se passe, c'est comme c'est une courbe, le reste de la ligne qui est ici, d'accord, va avoir un impact aussi également sur la luminosité, ce qui fait que ça va être impacté quand même légèrement sur notre lumière, mais l'accès se fera principalement sur les ombres. Maintenant, on peut pallier à ce problème en, par exemple, en mettant un point juste ici, voilà, et là vous allez interagir directement sur vos ombres, vous voyez, vous allez éclaircir juste un peu comme ça. Bon, bien entendu, si vous allez un petit peu trop loin. Ça va donner des effets assez étranges puisque vous allez interagir sur une certaine partie de l'image, d'accord Sur une certaine zone ici en l'occurrence. Vous pouvez réinitialiser aussi également la là, là. Bon, bien évidemment, toujours le même souci aussi. Vous pouvez mettre toujours la même chose aussi. Vous pouvez faire un contraste. Vous voyez, entre les ombres et les tumières, pourquoi pas Regardez ce que ça donne entre le avant et le après. On a fait un petit contraste assez sympa à la courbe. Le contraste à la courbe est vraiment sympa aussi. Comme vous pouvez le constater, vous avez un contrôle quand même au niveau de ce contraste ici. Donc voilà un petit peu fonctionnalité que vous pouvez avoir. Bien sûr, vous avez d'autres canaux aussi qui sont là. Si vous voulez insister sur la couleur rouge et baisser les autres couleurs, regardez, hop Le bleu ici. Voilà, vous avez la couleur rouge maximale. Hein, D'accord Si vous voulez baisser vous avez une noire, c'est un petit peu normal. Vous pouvez également rajouter une petite teinte au niveau de... rougeâtre au niveau de votre image. Et jouer, pourquoi pas, avec l'opacité, regardez, ça peut être une idée aussi. Comme ça, vous pouvez mettre une petite dominante, regardez, un petit peu plus chaude, comme ceci. Ce qui est très intéressant parce que bon... Lorsque vous regardez un peu euh, ceci, euh, si vous voulez faire par exemple un un truc, allez, on va dire assez sympa, bon là je vais remonter la verte qui va être ici, et là au niveau de la bleue je vais monter, bon, je vais mettre ça comme ceci, vous voyez, vous allez avoir une dominante bleue mais si je vais baisser cette courbe-ci regardez, je vais aller avoir la, la dominante jaune tout en laissant, bien entendu, les euh, comment dirais-je, les canaux ici, on est bien d'accord parce que ce qui se passe ici, comme vous, comme vous pouvez le constater, c'est que là, euh, le, le, la couleur complémentaire du bleu, bien entendu, est le jaune. Voilà. Si vous, par exemple, mettez cette courbe juste ici, vous baissez un peu cette courbe-là, vous allez avoir une dominante jaune aussi un petit peu légère, comme ceci, hein, vous voyez, vous pouvez faire un contrôle. Mais si vous voulez, je reviens un petit peu sur le bleu, descendre par exemple comme ceci, mettre un jaune absolu baisser l'opacité et ajouter un petit peu de jaune juste un peu comme ça vous voyez vous rajoutez un petit peu de chaleur c'est une possibilité aussi hein, sur l'ensemble de l'image maintenant il vous est possible de rajouter cette chose là au maxi hop on va aller dans les masques de luminosité vous faites un masque de luminance juste un petit peu comme ça et vous voyez là ça va interagir plus au niveau de votre lumière maintenant bon si je fais l'affichage comme ceci on peut très bien par exemple euh, ajuster un petit peu ce masque en jouant un peu sur, le, sur la densité, pardon, juste un peu comme ça. On fait l'affichage, vous allez voir ici, au niveau de l'intensité, vous voyez, vous pouvez maximiser la, la puissance ou euh, interagir comme ceci. Ou jouer aussi éventuellement avec les niveaux. Regardez, on peut chasser un petit peu cette couleur au niveau de, des ombres et assister plus peut-être au niveau des hautes lumières, si on regarde l'affichage, vous voyez plus de jaune à ce niveau là, ou encore une autre chose, fermer cette fameuse fenêtre qu'on a l'habitude de faire, et on peut exclure aussi cette couleur jaune, vous voyez, de, de l'image, et le laisser plus au niveau des ombres, juste un peu comme ceci. Bon, voilà. Ou l'autre possibilité aussi également, c'est jouer avec les, les tons moyens qui sont ici, vous voyez plus ramener vers les hautes lumières ou plus vers les ombres, juste un peu comme ceci. Beaucoup de possibilités. Après, vous allez jouer sur l'opacité aussi, également comme ceci. Regardez, hop. Et vous voyez, ça vous donne une petite colorimétrie un petit peu légère. Vous avez plein, plein, plein de possibilités. Après, vous pouvez jouer aussi avec... Euh, vous pouvez affiner encore ce, ce masque. Si on regarde un peu l'affichage, vous voyez juste un peu comme ceci. Voilà. Et on a un petit peu ce résultat-là. Beaucoup beaucoup de choses à faire justement avec euh, ce système de luminosité aussi là, hein, vous l'avez remarqué. Et après on peut même jouer avec les gammes de couleurs. Et j'en passe, voilà. Bon là on va enlever la, la fameuse, le fameux masque de luminosité. Je vais réinitialiser tout cela. Bien entendu, vous pouvez jouer aussi avec le canal vert. Le canal vert, je vous rappelle, hein, si vous voulez rajouter du magenta, vous pouvez le faire aussi ici. Du vert, c'est par là, c'est les deux couleurs complémentaires. Hein. Un petit peu le... La même chose avec la teinte, le, comment dire ça, de la balance des blancs. Hein. Le vert, c'est toujours la complémentaire de, euh, du magenta, bien sûr. Voilà. On va retourner sur le rouge. Toujours la même chose. Hein. Vous voulez rajouter du rouge, vous le faites ceci. Du cyan, voilà, c'est l'inverse, hein. vous faites cela. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire avec euh, ces fameuses courbes. On pourrait même s'amuser, à aller, à, à aller sur le bleu comme ça. Et rajouter plus de saturation au niveau du bleu, ça peut être possible. Hein, regardez, juste un peu comme ça. Et regardez la petite différence entre le avant et le après. Vous voyez, le bleu est un peu plus bleuté là, comme ceci. Vous pouvez même aller baisser juste un petit peu comme ceci. Ou bien plutôt l'inverse. Jouer sur l'inverse, hein, pourquoi pas. Voilà, vous voyez, juste du bleu comme ça. Voilà, et baisser aussi cette partie là. Réduire un petit peu ce truc là. Je vais jouer sur la, le contraste des couleurs plus un peu ici, hein, vous voyez. Ça c'est sympa. Ouais, c'est vraiment sympa, on peut faire des trucs vraiment cool. Donc on revient en arrière, on va dire qu'on en a terminé un petit peu avec cette courbe. Comme vous l'avez vu, on peut faire vraiment pas mal de choses. Hein. Si on va sur le prochain filtre, bon, dérivation de Javel, bon il y a une erreur de traduction là-dedans. On va s'amuser à ajouter un certain look aussi également à notre image. Vous les allez le voir aussi. Ici, vous allez jouer sur plusieurs curseurs. Bon, là, ça va être le montant forcément de l'effet. On est à 50. Vous allez jouer sur la luminosité, le contraste, détail et saturation, et également aussi sur la teinte. Voilà. Pour vous donner une petite idée, vous regardez un petit peu, bon, ici, vous avez le normal, vous avez quelques petits presets. Ici, on va appeler cela preset, hein, des, des styles d'effet. Vous avez même du high key, voyez, froid et chaud, d'accord Beaucoup de choses très très intéressantes là-dessus. Donc forcément, euh, vous pouvez jouer différemment du, du montant. Par exemple, si vous voulez mettre moins de luminosité, vous baissez la luminosité. Plus de contraste ou moins de contraste. Hein. Bon la luminosité, je vais en mettre quand même un petit peu plus. Moins de détails. Bon là ça vous enlève tout, vous voyez, ça fait un peu... même un peu d'essin, à la, la rigueur on peut s'amuser à, à faire quelque chose de spécial. La saturation, vous pouvez la baisser ou la monter. Bon là. Euh, voilà quoi et vous pouvez aussi également changer la teinte hein, regardez hop c'est un petit peu comme ceci et toujours jouer avec l'opacité voilà et pour gagner plus de temps vous voyez vous pouvez aller directement sur les presets qui sont pas mal ici voilà ça vous donne un petit peu une couleur par moment désaturée plus contrastée avec plus de détails ici cela dépend en fait de ce que vous voulez avoir comme résultat bon ici vous voyez si vous voulez un petit peu plus de détails vous pouvez le faire ici plus de contraste, plus de luminosité, moins. Il y, a, il y a beaucoup de contrôle à faire. Vous pouvez jouer sur une espèce de teinte. Là, vous le voyez ici. C'est assez sympa. Alors on peut monter, forcément, vous pouvez monter là. Toser, là, la, la la teinte comme ceci. Mais là, bon, étant juste un petit peu comme ça, on peut faire des trucs sympas. Donc voilà un petit peu à quoi sert ce filtre là. La dérivation, la dérivation de Javel, qui, bon, c'est un petit peu un truc désaturé, en fait. Hein, c'est un look désaturé. Un petit peu plus contraste. ça hein, un, un équivalent on va dire, d'autres de, de, fils qu'on retrouvera dans d'autres logiciels concurrents. Alors, l'ensoleillement. Voilà, si je ne me suis pas trompé, je vais regarder. Ouais, c'est bien ça. Ensoleillement première chose à faire quand vous arrivez sur un filtre aussi pour vous rémémorer un peu tout cela vous regardez vous avez l'effet le, naturel effet strong le glow et vous avez ici du sun glow sunshine et warm highlights bon ça c'est le c'est les différents modes un petit peu de ils appellent ça ensoleillement euh, comment dirais-je de, de ces différents types par exemple de, de, de temps ensoleillé que vous allez pouvoir avoir sur une image Bon, là ici justement c'est intéressant. Vous avez plusieurs curseurs. Bon, le 50 qui est ici, le, la chaleur, la saturation et la lueur. Bon si vous regardez un petit peu comment cela marche, on va laisser le montant à 50. Si je vais rajouter plus de chaleur, forcément, vous voyez ici. Ce curseur-là euh, marche vraiment très très bien pour ajouter un petit peu de. de la chaleur à l'image, forcément, ça va avoir tendance à donner un petit coup de soleil. Hein. Avec l'effet de saturation, bon là forcément et la lueur, bon là on va avoir un effet de glow aussi en même temps bon, donc sur trois curseurs, vous le voyez ici vous pouvez interagir sur, euh, sur cette chose -là. ça peut être très très pratique pour avoir le contrôle d'une image euh, on va dire, bon par exemple euh, ici, bon, elle était quand même plus ou moins ensoleillée mais vous voyez c'est un petit peu plus terne à ce niveau là si vous rajoutez ce filtre encore en plus, regardez bon, ça fait un plus quand même, regardez le avant et le après et ce que j'aime bien, c'est que ça fait pas toc, ça reste toujours naturel. Ouais, ono de 1 finalement, pour, euh, pour un petit peu reprendre l'esprit le, de ce logiciel, je trouve vraiment bien. Euh, pour la, le développement d'une photo, c'est vrai que c'est vraiment l'idéal. Si on ne veut pas tomber dans les excès, on a plus de contrôle. Les curseurs répondent déjà mieux. Hein, ça, c'est une, une réalité aussi. C'est la réalité du terrain. Bon. Ensuite, euh, j'aurais en une petite parenthèse aussi, comme vous le savez ici sur la chaîne, j'utilise beaucoup de logiciels de post-production, il est évident que chaque logiciel a son avantage, je ne parle pas des inconvénients, là. il y a toujours une petite part d'inconvénients sur chaque logiciel, mais bon là ici, en conséquence d'ON1, le seul défaut que je vais vraiment mettre à ON1, c'est simplement sa, sa traduction française, mais hormis cela, euh, je le trouve vraiment très complet, parce qu'on a la possibilité de faire du HDR, on a la possibilité de faire du panorama, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour euh, faire aussi du masquage, bon, c'est assez géant parce que bon. N'ayons pas peur des mots. Là, on est en train de travailler sur un fichier brut. Si j'ai envie de remettre un fichier brut au-dessus, je peux mettre un fichier brut. Encore une autre couche, encore avec un autre fichier brut, et j'ongler avec les trois, il n'y aura aucun souci. Et ça ne l'aggrave pas. Pourtant, bon, j'ai un lay 2012, un, vieux, un vieil iMac de 7 ans, mais ça marche toujours aussi bien. Donc c'est pour ça qu'en termes de performance, j'aime bien ce, ce logiciel-là aussi. Et que je l'ai inclus aussi dans la chaîne. J'avais pas vraiment eu l'occasion de le mettre en avant ces derniers temps parce que j'étais occupé avec d'autres softs. Mais vraiment, là, je rattrape un petit peu le retard et je ne suis pas déçu euh, du tout parce que là, on va aller vraiment en profondeur avec des workflows. Vous allez voir, j'ai préparé tout cela sur papier. Ça va être super intéressant quand ce sera mis en œuvre en vidéo. Euh, parler aussi un petit peu également. Et c'est un petit peu cela que euh, j'aime bien aussi parler de ce logiciel là parce qu'il y a One One, y a aussi Exposure X5, ce que j'aime bien aussi. Je trouve que ces deux logiciels là cette année font quand même un peu la différence. Je trouve qu'ils mériteraient d'être un petit peu plus en avant sur la scène de, de la photographie de la post-production. Vous allez comprendre pourquoi euh, j'en parle comme ça. On en reviendra après dans les prochains épisodes. Ça, c'est une question personnelle. Hein. Donc, on va continuer euh, sur les autres filtres. J'ai fini l'ensoleillement. Euh, le film grain. Alors. Film grain, ici ça c'est particulier aussi, vous avez différents types de films qui sont ici. Ça va être différents types d'émulations de films analogiques qu que l'on peut trouver. Vous voyez comme un petit peu celui-ci euh, du fujifilm. On peut aller aussi dans du Kodak aussi, ouais, c'est assez sympa. Et vous pouvez aussi également jouer sur différents types de grains ici que vous voyez ici. Vous voyez Petit, euh, modéré ou fort, ou bien vous avez plus aussi, bon. Enfin, soit. Vous avez le montant forcément et vous avez la taille de, des grains. Mais moi ce que j'aime bien, encore une fois, c'est que bon, ON1, on peut dire ce qu'on veut, ça fait pas gadget aussi également. quoi. Bon, on va passer au filtre suivant, le filtre photo. Encore une fois, plus j'avance dans les filtres, je trouve qu'ils sont vraiment de qualité. Vous voyez, bon, ici les curseurs ils répondent super bien aussi. Je suis sur un fichier rouge. Euh Ouais, c'est vraiment hyper génial, quoi. La fluidité de ce logiciel, mes pattes. Alors, on a différents euh, types ici, avec le petit plus qui va là, vous, avez, vous voyez, vous avez différents types, c'est assez génial. Hein. Vous voyez, cyan, Deep Red, etc. Et vous avez même des effets euh, graduels, je ne sais pas si vous voyez, euh, ici, ça va appliquer certains, euh, certaines parties du ciel. Bon, regardez ici, par exemple, vous avez un, un effet graduel. Et vous avez même la position. Bah regardez, c'est voilà quoi. Bon ici, comme je vous dis, vous avez une paire de presets pour, euh, pour vous y mettre hein, avec les différents types comme euh, types de colorimétrie. Vous avez les filtres graduels ici à côté. Mais regardez, bon là c'est quand même assez sympa. Bon, regardez le nombre de filtres que vous pouvez avoir sur l'image. C'est inimaginable. C'est assez incroyable. Non, le, le, le terme de travail est vraiment génial, quoi. Ouais, c'est. J'ai même un petit euh, regret de ne pas avoir commencé la formation One One un petit peu plus tôt. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. C'est mon, mon ressenti personnel. Parce que regardez, là, on peut prendre la moitié, là, une petite partie juste au-dessus. là, le top, euh, le top du tiers. C'est trop, quoi. Et regardez là, cet effet-là, bon... Vous pouvez même utiliser une rotation, forcément, là vous le voyez ici. Ça reste très fluide, c'est génial. Euh, au niveau de la transition, vous pouvez, regarder faire une transition dure, une transition progressive. Regardez la distance, bah, c'est... Non, c'est vraiment génial. Vous avez tous des filtres graduels qui sont là. Après, vous avez même évolution de, du filtre polariseur qui est ici. Regardez, bon, la simulation, elle est pas moche, quoi. Hein. Ça sature quand même un petit peu plus l'image. Regardez même au niveau de la flotte et des bleus, ça le fait vraiment bien son boulot. Pourtant, c'est un simple polariseur, vous voyez, logiciel mais il fait quand même son taf quoi. Non, il y, y a des trucs euh, bon, voilà, bon bien sûr évidemment au niveau des reflets, on va pas euh, non plus euh, faire des miracles des miracles bien que bon, il y a des trucs il euh, y a que seulement au niveau des reflets que là un vrai polariseur physique euh, va pouvoir jouer quoi, mais bon, au niveau de la saturation, on peut y jouer aussi, on peut changer même la teinte voyez? Rien que sur l'effet aussi, principalement ici. Non, c'est vraiment superbe. Bon, là, ici, au niveau les couleurs, vous l'avez vu ici, hein, le, ce, ce premier curseur qui est ici. Euh, type de filtre, bon, solide. Bon, diplômé, je pense que, à mon avis, il doit avoir une, <laughs> un problème de traduction aussi. Euh, avec tous des ombres propres, fort. Subtil, point saillure, ouais, point saillor, ça doit être les. Comment dire ça, les hautes lumières. Vous pouvez même changer la teinte, regardez. Bon, c'est c'est trop. C'est trop géant, quoi. Regarde un petit peu cela. On va jouer plus sur les hautes lumières, vous voyez, sur le point fort, comme ils disent. Bon. On est vraiment sur quelque chose de terrible. Vous voyez, on peut vraiment localiser. Bon, après, on est sur le centre ici. Voilà, je monte un petit peu. Vous voyez, bon, là c'est sur cette partie-là. J'utilise un polariseur forcément. Voilà, ça c'est plutôt l'inverse. Parce que là, centre, forcément, ça va noircir sur ce côté-là. L'ombre va être portée là. Et là, l'éclaircie va se faire ici. Tandis que là, au niveau de l'ombre, vous allez avoir le centre qui va être ici même modifier la taille, vous voyez, ou bien grossir, faire une transition un petit peu plus sympa. Regardez, vous voyez ici, hop, hop. Je vais même le laisser là. Regardez, là c'est l'inverse comme ceci, et là, hop, c'est au niveau des bords. Si vous montez la transition, forcément, vous le voyez. C'est fluide, ça marche vraiment du tonnerre. Ouais, c'est vrai que là, euh, je vous conseille de toute façon. Euh, parce que j'ai pas envie de vous influencer aussi sur ce logiciel là parce que bon c'est pas mon rôle d'être influenceur moi c'est pas mon truc hein. moi euh, je prends tout ce que je peux avoir au niveau logiciel pour faire les tests pour vous faire des retours et des tutoriels ce qui compte pour moi c'est que vous faites des périodes d'essai c'est pour ça que la plupart des logiciels que vous avez euh, dans disponibilité sur ma chaîne vous voyez ils sont en période d'essai comme ça vous pouvez tester vous pouvez vous faire une propre idée voilà et ça c'est très intéressant aussi parce que bon euh, je vais pas commencer à vous dire, ouah, c'est super, c'est super génial et tout. Vous allez tester chez vous, vous allez dire, ouais, bof, c'est bien et tout, mais il y a ça que j'aime pas, je préfère plutôt ça, je préfère plutôt utiliser un autre logiciel. Je ne peux pas être, comment dire ça, être à votre place. Je peux vous apporter les informations selon mon ressenti, selon le, en termes de développement, ce que je ressens, ce que je peux faire en termes, on va dire, de développement aussi créatif également. Vous voyez un petit peu tout ce que l'on peut faire avec ceci. Bon, il y a le warm cool aussi, juste ici. Alors forcément, vous avez les différents types de filtres qui sont ici. Vous pouvez même les, les régler juste en dessous. Vous avez la couleur qui est ici. Vous pouvez changer la teinte, juste un petit peu comme ça, baisser peut-être le montant et mettre une deuxième teinte aussi également. Bon là, bien évidemment, il faut mettre un, comment dirais-je, un filtre gradué qui sera juste ici. Comme ça, vous allez interagir un peu. Directement dessus. Et là, on reprend un petit peu, soit sur les, le point fort, bon, subtil. Retenez un petit peu que les deux là vont partir plus vers les hautes lumières et le point blanc, et ici, plus vers le point noir et plus vers le, le, les zones d'ombre. Voilà. Donc, on en a fini un petit peu avec le filtre photo. Comme vous l'avez vu, bon, c'est très, très complet. À chaque outil, comme vous l'avez vu, euh, vous avez plein, plein, plein de possibilités. Alors, flou d'objectif, tilt shift. Au niveau de la profondeur de champ ça va vous faire des, des effets assez sympas comme ceci euh, et vous allez avoir une, une partie nette comme là si vous allez monter le, le montant bon là ici vous allez interagir un petit peu sur euh, sur des effets qui sont assez sympas vous voyez aussi même au niveau de la qualité de l'optique vous pouvez faire même du du bokeh hein, regardez juste un peu comme ceci euh, après vous avez d'autres choses aussi, vous avez la courbure qui est juste là, et là vous voyez que ce flou d'objectif va s'ajouter ici et là, d'accord. Vous allez utiliser par exemple sur les côtés, là ça va être ici et là, ou bien en rond. Voilà, en rond, vous voyez, ça va interagir sur les coins. Vous avez d'autres choses aussi, un petit bokeh, bon, vous avez différents types de bokeh qui sont ici être intéressant pour l'utiliser, par exemple, sur un... Comment dire ça Vous allez avoir votre image principale. Et à l'arrière, vous allez voir une autre image. Vous allez vouloir faire un poké sur cette image. Là vous pouvez le faire aussi, également, avec des techniques de masquage, etc. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus aussi. Donc, vous voyez, vous pouvez me rajouter du bruit. Il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, sur le flux de l'objectif. Voilà, ça, c'est un des filtres qui n'est pas trop mal non plus. On va peut-être faire le grunge allez Bon grunge je vais regarder par rapport à là regardez là, ça vous donne un look aussi assez particulier il n'est pas difficile de regarder ce qui se passe avec cela ça va vous donner la possibilité de jouer avec la luminosité de la saturation et vous allez pouvoir rajouter du détail ou pas. Hein. Vous voyez juste un peu ici. rajouter plus de saturation. Bon, la luminosité, vous le voyez juste un peu là. Montant. Le curseur du montant, forcément. Vous avez la lueur. Bon, là également, c'est pour euh, adoucir un peu l'image. Vous avez ici différents modes de fusion aussi, apparemment. Ce que je peux voir, écran. Euh, Soft light, etc. Et vous avez aussi la, la possibilité de rajouter aussi également du grain. Voilà. Un filtre aussi sympa. Voilà. On va l'enlever. On va passer en autre filtre. Euh, les frontières. Ouais, les frontières. Bon, ça c'est plutôt un cas dans ça. Je pense que la la traduction c'est pareil. Il y avait un petit problème. Vous avez la possibilité de faire un cadre aussi, vous voyez. Et là, vous avez encore une fois énormément, énormément, énormément de choix. C'est assez euh, incroyable. Par exemple, je voulais prendre celui-ci. Voilà. Vous pouvez jouer avec son opacité, vous voyez, juste un peu comme ça. Euh, mode. Bon, là, vous avez différents modes de fusion aussi qui sont là. Ici, on peut jouer seulement sur la luminosité. Voilà. Vous pouvez coloriser ici comme vous voyez, et forcément la transformation à hein, réduire le cadre ou bien l'augmenter. Juste un petit peu comme ceci. Après bon. Ajuster l'image, vous voyez, vous pouvez réduire aussi l'image. L'augmenter même si vous le souhaitez. Alors, vous pouvez filper le cadre, revenir en arrière, enfin bref, pas mal de choses. Ça c'est simplement le cadre, hein, d'accord les frontières oubliées, c'est de la mauvaise traduction. Voilà. Alors, on va un peu continuer. Texture. Bon, bah là, les textures, c'est quoi C'est pour ajouter une petite texture à votre, à votre image, bien sûr. Là, ici, vous voyez, vous avez une banque impressionnante de textures qui sont là. Voilà. L'avantage, c'est que, bon, ici, par exemple, ça fait un petit peu tableau. Ça pourrait se mélanger avec l'autre euh, chose aussi. Vous avez ici même des, des autres catégories qui sont ici. Du papier, ça peut être pas mal, regardez, ça fait un peu peinture d'ailleurs. Et vous avez un mode de fusion aussi que vous pouvez utiliser là-dedans. Normal, subtil, plus léger, plus sombre, remplacer. Bon, remplacer, vous n'avez rien du tout. Hein. Voilà, bah, par exemple celui-ci, vous pouvez jouer sur la, la luminosité et la saturation. Vous pouvez coloriser aussi. Ah mais, utiliser le roue chromatique aussi, mais c'est la lumière transformée aussi également. Vous voyez, grandir dire Voilà toutes ces choses-là. Vous pouvez même faire l'ajustement de la toile. Bon, inverser, tac. Bon, là, on revient à zéro. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire avec euh, avec ceci, quoi. Vous avez énormément de choses. Vous avez différents types aussi. Vous voyez, leak postcard. voilà après vous avez le look hdr bon bah look hdr vous savez ce que c'est vous avez différents types qui sont ici de presets hein, plus ou moins compression on va avoir tendance à jouer un petit peu sur, euh, sur un éclatement un petit peu de l'image comme ceci une séparation au niveau de luminosité aussi également Ajouter du détail ici, la clarté, bon ça forcément, euh, puis vous allez rajouter de la clarté, euh, puis ça va devenir un petit peu dégueulasse quand même quoi. Faut même maîtriser, c'est quand même un, des micro contrastes dans les tons à y a, ça, la clarté. Hein. Vous pouvez jouer sur le point fort et les ombres. La curseur de vibrance, bon vous voyez un petit peu ce que ça donne, la lueur. Effet grange, un petit peu comme ça, donc ça va tendance à assombrir, juste un peu comme ceci. Et là, on est en plein dedans. <laughs> vous pouvez baisser avec l'opacité, par exemple, et vous amuser peut-être à aller, hop, juste un peu comme ça. Ça vous donne un mini look HDR. C'est un peu comme ceci, ou bien vous amuser avec un masque de luminosité. Voilà, ça c'est très sympa si vous voulez faire. Euh, un HDR à partir d'une exposition, c'est simple. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est peut-être localiser aussi l'effet HDR dans certains endroits. Ça peut être très pratique par un masque de luminosité aussi également. Hein. Euh, la lueur. Voilà. Alors, la lueur. Vous avez le montant ici. Et vous avez également ici quelque chose qui vous permet de protéger des halos. C'est-à-dire que là, c'est vrai que ça va être fort à ce niveau-là si je monte. Voilà. Juste un peu comme ceci. Et là, avec le halo, ça va être un protecteur justement pour éviter d'avoir des fessiers lumineux au niveau de, euh, des bords comme ceci. Hein. Et vous avez différents types de comment dirais-je c'est sympa ça différents types de de fusion aussi hein. on voit un petit peu ces, ces différents effets là multiplier écran bon voilà toutes ces choses là on va baisser un peu on va jouer avec une opacité vous voyez juste un peu comme ça si vous regardez la différence avant après ça rajoute aussi un petit truc super à l'image quoi hein. voilà Bien évidemment, ici, vous avez aussi des presets. Voilà. Hop, on revient un petit peu là en arrière. Donc voilà. Après, on a ici les luttes. Bon, les luttes, c'est des espèces de colorimétrie que vous allez avoir au niveau de votre image aussi également. Euh, on va jouer aussi un petit peu avec le contraste et la saturation. Regardez, vous avez différents presets qui sont ici donner une espèce de, de look créatif aussi à, à votre image vous voyez Il y a énormément de choses ici par exemple je vais reprendre un, une couleur quand même ici vous pouvez jouer sur le contraste vous voyez ici plus de contraste et jouer sur la saturation moins de saturation plus et hop vous avez aussi plusieurs possibilités aussi euh, au niveau de la lutte et vous pouvez aussi importer les vôtres voilà Même principe que les lookup tables d'autres logiciels aussi également. Voilà. Ensuite, on va regarder la suite. Mélangeur de canaux. Très intéressant le mélangeur de canaux. Ça, j'aime bien ce filtre d'effet. Vraiment intéressant. Vous avez différents types d'effets de, aussi déjà sur, sur l'image. On peut même donner une importance sur certaines. Certaines images, vous pouvez faire de, le, comment dirais-je, on sait ça va être de, de l'infrarouge aussi également. Simuler de l'infrarouge, c'est vraiment très très bien foutu. Vous avez différentes choses aussi. Vous voyez, là, c'est coupé entre deux trucs. Là, l'infrarouge qui est ici et du vivid blue. Et vous pouvez jouer également avec l'opacité. Si on revient un petit peu en arrière, mais si on veut repartir nous-mêmes sur le mélangeur de canaux, vous avez les trois canaux rouge, vert et bleu. Et comme vous savez très bien, vous pouvez mélanger, changer un petit peu la couleur. Sur le canal rouge, vous allez un petit peu changer la colorimétrie. Faire la même chose aussi sur le vert, juste un petit peu comme ça. Et le bleu. Un petit peu cet effet-là. Bon, bien sûr, j'ai un petit peu exagéré la chose. Et vous pouvez même jouer avec l'opacité, vous voyez ici. Ça vous fait des effets assez sympas. Ça c'est pour un petit peu mélanger les couleurs. Comme je vous dis, il hein, faut un peu revenir en arrière. À chaque fois que vous allez interagir un peu sur une des couleurs au niveau du canal, ça va interagir sur l'image complète que vous voyez ici. Voilà. Dans genre de canon, on peut faire pas mal de choses aussi intéressantes, mais il faut être vraiment prudent, parce que vous pouvez avoir un effet nucléaire assez rapidement si vous ne maîtrisez pas la chose. Ensuite, on a le météo. Bon, météo, vous avez le, le fog, qui est ici, c'est-à-dire le brouillard, vous avez la pluie, le blizzard, ben ça c'est la neige, hein. et je pense que... Il voilà, y a d'autres effets aussi également basés sur la neige, etc. Bien évidemment, euh, vous avez bon, les textures qui sont ici, hein, des de différentes choses ici là, des différents temps. Hein. Si par exemple on va prendre le blizzard, vous avez la possibilité de jouer sur son opacité, l'échelle, voilà. plus grand, ou bien comme ceci. Ajouter du brouillard ou en enlever. Hein, avec une position sur un, un filtre là. Dis, jouer avec la distance aussi également. Faire une rotation comme vous voyez ici. Ou bien une transition un petit peu plus marquée ou plus légère. Voilà. Ça, c'est un filtre météo. Quand vous voulez rajouter des choses, bon là, si vous voulez rajouter du brouillard aussi également. Regardez, ça c'est sympa. On peut faire pas mal de choses. Là, je joue un petit peu avec la transition. Vous voyez, ça fait un truc assez sympa. Voilà. Le noir et blanc. Bon, bah ben noir et blanc, on sait comment cela marche. Là, ici, vous avez les différents canaux. Vous avez la réponse de couleur. Vous avez le mélangeur de canaux. Voilà. Donc deux possibilités. Hein. Réponse de couleur, ça c'est sympa. Bon. si on va prendre par exemple la petite pipette, vous prenez cette partie-là, vous laissez appuyer avec votre souris, vous pouvez ajuster la zone, soit baisser ou soit augmenter de la luminosité. Si je prends par exemple, bon, si je prends par exemple la mer qui est ici, hop, va sombrer parce que je vais avoir les, les bleus qui vont commencer à sombrir, notamment le ciel aussi en même temps. C'est beaucoup plus simple d'interagir directement avec euh, avec cette petite pipette qui est juste là. Et vous avez aussi la possibilité de jouer avec la luminosité complète de l'image, le contraste. Bon, ici notamment, vous reprenez le point fort. Le bon, point fort, c'est le point fort, c'est les hautes lumières. Les ombres, juste un peu comme ceci. Le point blanc, point noir. Bon, les détails, les enlever, on met un petit avantage. Ici... Vous avez la possibilité de jouer sur, comment dire ça, sur une colorimétrie assez particulière. Si vous voulez rajouter du sépia par exemple, donner un look sépia, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez changer la, la couleur aussi principale. Hein. Donc, ça, vous pouvez teinter le monochrome. Vous pouvez faire même un équilibre, vous voyez, assombrir ou éclaircir. Au niveau des ombres, vous faites la même chose. Vous voyez vous avez la possibilité de jouer avec les hautes lumières et les, et les ombres. Donc ça fait un petit peu comme un, un split toning. Vous voyez, un virage partiel. Voilà. Et vous pouvez utiliser bien sûr différents types de d'émulation de, de film. Là. Et rajouter du grain si vous le souhaitez. Ou en enlever. Hein. Voilà. Et vous avez aussi... Euh, comment dirais-je Différents types de, euh, comment dirais-je, de réglages, de pré-réglages qui sont ici. Vous voyez, green, yellow, red, infrared. Et vous avez différents types, différents types de presets qui sont là-dedans. Voilà, on va effacer le filtre. On va passer au filtre suivant. Là-bas. Ah alors, j'ai quand même traité de, depuis ici. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a joué sur 15 filtres. Bon. Euh, je reprendrai donc euh, les autres, euh, comment dirais-je, filtres prochainement ici. D'accord Sans doute demain aussi également. Et on terminera par l'affûtage. On aura terminé avec les filtres là. Vous voyez, ça va assez vite parce que bon. On va dire que ça c'est agréable. Euh, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous rappelle que vous avez un lien affilié juste en tout euh, dans la description. Bon là bien évidemment en ce moment ce qui se passe c'est que mon coupon code d'Ediquinol n'est pas actif mais vous avez toujours une réduction avec des deals. Voilà juste un petit peu comme ceci. Euh, pour ceux qui veulent upgrader du 2019 vers le 2020 vous avez là un prix ici qui s'affiche là avec un smug mug gratuit, c'est un an de smug mug, et c'est un portfolio en plus, membership, c'est très très bien. Et vous avez l'autre possibilité, si vous ne l'avez pas, vous avez la possibilité de l'acheter ici au prix de 79,99, avec toujours la même offre. Si vous voulez avoir le gros pack Holiday, 129 et quelques, vous avez toutes ces choses-là, avec comment dire ça, avec un an de ON1 ⁇ et des cours en anglais sur ON1. Et un petit book un creative the book toute la description se fait ici vous hein, voyez donc durant ces, ces promotions de vacances mon coupon code et ne sera pas valide mais sachez que vous pouvez toujours aussi euh, essayer le comment dire ça le, la version d'évaluation de on1 je reviens un petit peu sur, sur cette chose là vous pouvez l'essayer pendant 30 jours hein, vous voyez ici hein. donc ça c'est vraiment très très intéressant si vous voulez faire le test, n'hésitez pas. Moi, de toute façon, je continue toujours euh, les petits cours sur ON1. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos inscriptions à la chaîne. Si vous voulez m'aider à faire évoluer cette chaîne, vous avez la possibilité de passer par les liens qui sont juste en dessous euh, affiliés sur ON1 ou euh, autre logiciel. Vous, ça ne vous coûte rien votre, euh, votre prix final. Mais moi, ça me permet d'avoir une petite commission pour moi faire vivre ma chaîne. Euh, vous avez la plupart du temps la possibilité d'utiliser mon coupon code et Bon là dans ce cas-ci, pendant les vacances, euh, ce n'est pas utilisable, mais par la suite, vous pourrez toujours l'utiliser. Ainsi que sur les autres logiciels, il y a certains logiciels où vous pouvez l'utiliser toujours, euh, même pendant cette période. Vous pouvez également aussi euh, m'aider avec le lien Paypal, qui est juste en dessous de cette vidéo aussi également. Euh, vous avez des contributeurs Paypal qui m'aident pour euh, faire évoluer cette chaîne aussi également. Moi, ça me permet de continuer à faire mes formations, de les faire sur papier, les préparer, etc. Là, j'ai fait l'acquisition de ScreenFlow grâce à mes contributeurs PayPal, qui me permet de travailler un petit peu plus vite au niveau de mes tutoriels et de vous ramener du contenu encore plus rapidement. Par avance, ce jour, merci. Vous avez aussi également la possibilité de faire grossir la communauté de cette chaîne. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés par la post-production créative, n'hésitez pas à les inscrire sur la chaîne. Ça fera grossir la communauté. Vous avez aussi le groupe Facebook. Je vous rappelle par ailleurs que pour entrer dans ce groupe Facebook, vous avez un formulaire à remplir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez C'était dit sur ON One Photoro 2020. On se retrouve donc demain. Au revoir.